Il fera à peu près beau sur l'ensemble de la France, avec des températures saisonnières logiques pour cette période de l'année. Quelques nuages feront leur apparition dans l'après-midi, sans gravité, en attendant une nouvelle perturbation qui nous vient par l'ouest et qui gagnera tout le pays dans la nuit. Merci Didier, on se retrouve à 6h30 pour les infos. En attendant, on va s'écouter les Crash Burns qui seront à la Cigale les 17 et 18. L'histoire que je raconte est sûrement la tienne. En tout cas, y a pas de risque, ça n'est pas la mienne. Mentir toute la journée dans cette société, c'est comme une coutume, c'est comme obligé. Tu sais plus qui te dit toute la vérité, car tout le monde t'avertit, c'est craché, juré. Toujours à la recherche en qui faire confiance. Personne en l'occurrence, c'est une évidence. Tout, tout. Toute la journée, en vrai ensuite tu sais, c'est pas pauvreté. Mensonge, mensonge, à longueur d'année, de vraiment vexer tu dis vérité. Où tu regardes, tu n'as qu'à gratter, c'est le plus sûr moyen de bien déprimer. Si tu crois qu'il suffit d'être bien sapé, d'aller chez le coiffeur, d'être bien rasé, de regarder la 5, d'avoir un métier, pour être quelqu'un de très respecté. Quelle heure il est? 6h15. 6h15? Ouais, non, écoute, j'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je me lève dans une heure, y'a maman qui vient chercher la petite pour l'emmener au Louvre. Non, mais pourquoi t'as dormi dans le canapé? Bon, écoute, Gérard, je sais que t'as des problèmes en ce moment, mais moi ça fait 2 semaines que je dors plus parce que tu ronfles. C'est insupportable. Attends Isabelle, tu sais très bien que tant que j'aurai pas retrouvé de boulot. Mais l'entretien de ce matin, je le sens bien. Hein. Et puis je te rappelle quand même qu'il y a 6 mois, j'ai dû endurer ta période électro-détente. Dormir avec une nana qui avait 2 gros doigts de pied branchés sur le 220, bah, c'est pas facile à vivre. Ouais, mais moi ça me détendait, ça me faisait pas ronfler. Évidemment, c'était le transport qui s'en chargeait pour toi. 3 kilos de fonte au pied du lit, ça faisait même des parasites dans la télé alors. Bon, écoute. Tu ferais mieux de te préparer parce que tu vas finir par arriver en retard. Ouais, la première fois t'as raison.
Et derrière, pourquoi elle mène pas les petites au Disney? C'est passionnant, la Joconde à 5 ans, hein? Tu sais bien qu'il aime pas faire la queue. C'est d'ailleurs un des grands regrets de ton père. Très marrant. Fini de m'habiller et je vais boire un café au Truquet du coin, hein. Ça va m'en mettre dans l'ambiance examen. C'est bon là? Y'a pas faute de goût? T'as pas mis de chaussettes de tennis avec ton costume? Bah non. Bon bah alors ça va. Mais tu sais hein, si ça marche, il va falloir que je me rachète des costumes. Hein. J'ai plus rien à mettre. Bah t'as regardé où on en est pour nos comptes sur Minitel? Non mais y'a pas de problème. C'est Luc qui s'occupe de notre compte. C'est pas pour rien que je l'ai pris comme partenaire en double tennis. Hein. Personne ne veut jouer avec lui. Il est tellement chiant. Mais... il a une grande qualité qui l'excuse. Il est banquier. Bon, bah je passe au club à midi. J'en parlerai. J'y vais. Souhaite pas bonne chance. Bisous. À quelle heure tu rentres?